Bon, je suis pas très réveillé, j'ai passé la nuit dehors. Je me trouve à point extrême de ma propriété, à l'embranchement des deux rivières qui cadrent toute la propriété. L'entrée est à 500 mètres d'ici. Et ma foi, c'est en saison, c'est l'été là, il y a plein de bruit. C'est un petit lieu bien sympathique pour pouvoir venir se détendre la couille et voir se reposer. Petite vidéo pour dire que KPMG, enfin moi j'aime bien surveiller ce qui se passe aux États-Unis parce que je trouve qu'ils sont quand même vachement, c'est eux qui font le monde, c'est eux qui drive, c'est eux qui tirent en fait. Après tout le reste de la planète suit, mais c'est eux qui tirent, c'est eux la locomotive avec la Chine. Donc KPMG a annoncé il y a un mois qu'ils avaient constitué en Floride un centre d'apprentissage. Ils ont investi 450 milliards de dollars, je crois. Millions de dollars, 450 millions de dollars. Ils ont fait un compound, genre je sais plus, 100 hectares, 200 hectares, avec des salles de classe, des salles de sport, des salles de tout ce que vous voulez, de la connaissance, des profs. Et leur idée, c'est que c'est la même que la mienne, que j'essaie de vous exposer tout au long de l'année sur Objectif Éco. Mais on est un peu à un carrefour. On est tout le temps à un carrefour dans l'histoire, mais là, ça va vraiment scinder en deux. On le voit d'ailleurs. La population mondiale va se scinder en deux. Il y a ceux qui ont compris comment ça marche, qui accèdent aux connaissances et qui passent une heure par jour à se former, grosso modo, tous les jours ou presque. Et puis il y a ceux à qui ça casse les burnes, qui veulent stagner, qui veulent plus bouger, qui sont là, qui ont passé leur diplôme, qui ont leur petite situation, qui ont peur, qui vivent dans leur bocal et qui veulent pas avancer. Jusqu'à présent, ces deux populations cohabitaient en fait. Il y avait une espèce d'élite mondiale qui vaquait à ses occupations. Et puis ces classes moyennes de baby boomers qui également vaquaient leur occupation tranquillement. Et puis grosso modo, tout le monde y trouvait son intérêt. Je ne pense pas que le futur va ressembler aux 40 dernières années. Et je pense pas que tout le monde va pouvoir continuer à vaquer à ses occupations comme dans le passé. Moi, ma vision du futur, elle est pessimiste. À cause de l'intelligence artificielle, à cause de la robotisation, des nouvelles technologies, des ressources naturelles limitées. En fait, on est en train de développer nos capacités d'automatisation, d'intermédiation avec la blockchain, toute l'intermédiation va se modifier. Moi, personnellement, on le voit. Pourquoi je vous parle de KPMG, de ces 450 millions de dollars? Parce qu'ils ont dit derrière, dans le communiqué, qu'ils étaient en train de préparer le salarié du futur avec lequel ils allaient pouvoir travailler et qu'ils allaient aussi mettre à disposition des autres multinationales ce centre pour aider les autres multinationales américaines à préparer également le salarié du futur. Parce qu'en fait, grosso modo, le salarié d'aujourd'hui tel qu'on le connaît, il va plus servir à grand chose sous 5, 10 ans, 15 ans. Et donc les boss de KPMG expliquaient qu'il allait falloir reconvertir les ressources humaines pour continuer à pédaler dans la course économique mondiale. Et donc implicitement, ça va dans ce que je raconte, c'est à savoir que les gens qui ne se reconvertissent pas, les gens qui ne s'adaptent pas à la nouvelle donne mondiale, ça va être un carnage quoi, il va plus rien avoir pour eux. Et ils vont vivre à mon avis une vie misérable d'esclaves bas de gamme. On va vraiment avoir deux mondes quoi. On va avoir les mecs qui pédalent et les esclaves bas de gamme qui servent à rien parce qu'ils sont en concurrence directe avec des machines et les machines ça coûte que dalle par rapport à des humains. Le fait que KPMG fasse ce mouvement et puis l'annonce clairement. Et puis qu'ils envoient quand même la pâtée, 500 millions de dollars, c'est pas rien, pour faire de la formation d'humains pour qu'ils s'adaptent au futur. Moi, je ne peux que vous inviter à prendre l'habitude de vous astreindre à une discipline un peu militaire, de faire une heure de formation par jour sur des compétences, bien sûr, qu'on n'apprend pas à l'école, la preuve. Les universités américaines de business sont quand même réputées parmi les meilleures au monde. Les MBA de Harvard, et toute la clique. Et les entreprises américaines en sont rendues à faire eux-mêmes la formation de leurs salariés pour le futur.
Donc pour moi, même l'école américaine, quelque part, elle est un peu en train d'échouer. Ils sont en train de nous dire par A plus B que c'est pas l'école qu'on va apprendre à être au contact de l'économie mondiale dans le futur. C'est via des programmes d'apprentissage permanent. C'est ça qu'ils nous disent. Donc moi, je vous invite vraiment à passer une heure par jour à vous former pour acquérir des compétences qui sont utiles, qui dégagent de la valeur économique. Si vous tenez à votre futur agréable, et puis si vous y tenez pas, vous branlez que dalle et vous inquiétez pas, l'économie mondiale va venir s'occuper de vous en vous rabaissant au plus bas que terre. Donc ça, c'est un choix qui n'appartient qu'à vous. Mais si vous voulez pas être plus bas que terre, l'acquisition de connaissances et puis aussi l'aptitude à exécuter, parce que il n'y a pas de connaissances sans exécution. Je le répète assez régulièrement, mais j'en ai encore vu cette semaine. Je reçois beaucoup de témoignages, j'ai encore vu cette semaine, j'ai même rencontré cette semaine des entrepreneurs. C'est systématique, c'est soit un entrepreneur, il passe pas assez de temps à se former, et donc stratégiquement il fait des conneries, tactiquement il fait des conneries, et il apprend pas assez vite via son expérience personnelle. En fait, il y a trop de dépenses de temps. Il y a un refus d'aller apprendre auprès de mecs meilleurs que soi. Ça, c'est un truc qu'on retrouve très régulièrement. Ah ouais, il faut payer. Bah ouais, mais un mec, non seulement il faut accepter qu'il y a un mec qui soit meilleur que soi, et deuxièmement, il faut le payer en plus. Mais ouais, mais bon, il vaut mieux payer et récupérer, économiser des centaines d'heures à goberger tout seul dans son coin. Il vaut mieux payer un mec qui va nous mettre la tête au carré en 5 ou 10 heures. Et qui va nous permettre d'économiser un temps fou moyennant de l'argent. C'est un deal qui est rentable. Enfin, moi, pour moi, il me paraît rentable, mais pour beaucoup de chefs d'entreprise, il est pas. Je sais pas, ça les gratte. Voilà, ils veulent pas un truc comme ça. Donc, résultat, soit ils sont dans l'exécution, mais il leur manque la formation continue. Ou alors, de l'autre côté, on m'a encore écrit un client de la. Comme je l'ai signé dans la formation s'enrichir quand on a déjà 25 000 euros, j'en ai un tous les 2-3 jours qui me dit je fais partie des gens qui. Et ce profil, c'est je fais partie des gens, je suis tout le temps en apprentissage et je lance jamais rien. Grosso modo, comme tu dis, j'ai l'impression que je fuis un petit peu en apprenant pour éviter d'exécuter. C'est les deux pôles, mais c'est extrêmement rare de trouver des gens qui arrivent à avoir les deux, c'est-à-dire qui arrivent à balancer la formation, les travaux pratiques et l'exécution et la concrétisation de projets. Mais quand je vois derrière le message de KPNG qui sont en train d'envoyer au monde, ils sont en train de nous dire coco, c'est là que ça se passe, c'est là qu'on va. Quand je vois leur message, je pense pas qu'il y ait de porte de sortie. C'est on doit apprendre à exécuter, on doit apprendre à acquérir des connaissances et à acquérir de la valeur et être capable de générer de la valeur qu'un robot ne pourra pas faire, qu'une intelligence artificielle pourra pas faire, qu'une automatisation pourra pas faire. C'est fondamental de piger ça. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter au monde, nous, en tant qu'humains? Essentiellement des tâches créatives, des tâches uniques, des tâches à haute valeur ajoutée qui nécessitent des câblages dans notre cerveau que les machines vont quand même avoir. À mon avis, les machines pour acquérir, on le sait tous, la créativité, c'est annoncé pour 2035, donc on a de 20 ans devant nous déjà. Et j'attends de voir ce que les machines vont être capables de créer, même si on m'a montré des lecteurs, des youtubeurs m'ont envoyé des créations déjà d'intelligence artificielle qui sont assez étonnantes. Donc est-ce que la créativité. La grande question, c'est est-ce que la créativité humaine va dégager plus de valeur que la créativité des machines? Si les machines se mettent à créer, ça va être chaud. Le futur va être chaud, encore plus chaud que ce qu'on pense. En tous les cas, je vous recommande une discipline militaire, une heure par jour d'apprentissage. D'une manière ou d'une autre, il faut pédaler, il faut se remplir le crâne de choses utiles, encore une fois. Sinon, ça va pas être joli joli l'histoire.